l'espace interstellaire, infini, éternel, traversé d'éruptions cosmiques et d'incessantes turbulences, champ d'action illimité pour ces bolides flamboyants, les comètes. Dans l'Antiquité, les comètes terrifiaient l'homme qui voyait en elles l'annonce de catastrophes imminentes. Plus tard, rassuré, il leur donna des noms propres et attendit leur visite, comme on attend de vieux amis. Cette comète, émergeant derrière le Soleil, traverse le ciel à la vitesse de 270 000 km à l'heure. Elle n'a jamais encore été observée par l'homme. La ceinture d'astéroïdes. Une immense décharge de métaux et de roches en orbite autour du Soleil entre Jupiter et Mars. Des milliers de fragments, certains pas plus gros que le poing, d'autres de la taille d'une cité. Parmi ces derniers, Orphée. 30 km de diamètre, inviolé depuis des millénaires. Jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Sherwood qui m'a demandé de vous débarquer et de vous diriger sur Houston. Un avion spécial vous attend. Vous m'auriez vraiment coupé la route? Oui, monsieur. Alors, je vous aurais éprené. Oui, monsieur, et vous seriez allé par le fond. Je ne reste peut-être pas. Monsieur Bradley, quel plaisir de vous revoir. Je suis ravi d'être là. Ah, vous me devez 10 dollars. Vous êtes sûr? Oui, mon handicap au golf est descendu à 12. Je comprends votre joie de me revoir. Oui. Monsieur Bradley est ici. Bien, faites-le entrer. C'est bien à vous, monsieur Sherwood. Ah, Paul, enfin te voilà. Entre, entre, je t'en prie. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Mais ça n'est rien. Oui, ça, c'est moi. J'ai demandé à Hélène d'envoyer ici quelques vêtements à toi. Le bureau de M. Sherwood, qu'il demande. J'ai... Je suis désolé, M. Sherwood est en conférence. Je ne savais pas qu'Hélène et toi étiez. Tu connais le général Easton?
Oui, on s'est vu à Washington. Bonjour. Merci d'être venu. Sam Mason, notre cap commandant. Très heureux. Peter Watson, directeur de vol. Santé. Maintenant, tu vas poser ce sac. Je vais te servir un petit whisky. Un grand whisky. Bien. Nous en avons tous besoin, je crois. Asseyons-nous autour de la table. Enlève ta veste, si tu veux. Quelle taille, votre bateau? C'est un 17 mètres. Il s'est passé bien des choses ici, Paul. Et rien de réjouissant. Harry, j'ai quitté la NASA depuis 5 ans. Pourquoi m'a-t-on rappelé? Je vais te le dire. Messieurs, je vous en prie, vous vous servez. Il y a 7 jours, l'observatoire de Palomar nous a fait part de la découverte d'une nouvelle comète. Merci. Il n'y a là rien d'extraordinaire. 9 ou 10 nouvelles comètes sont signalées chaque année par eux ou par d'autres observatoires. Mais celle-ci semblait se diriger sur un point particulier. La ceinture d'astéroïdes. Et alors? Lorsque j'ai été appelé, elle était à peu près à 300 000 km des astéroïdes. Challenger 2, notre sonde spatiale vers Mars, était dans le voisinage. C'est le fils du général Easton qui commande le vaisseau. Nous l'avons appelé. Et ensuite, nous avons... Ensuite, j'ai changé leur programme. Ça se passait vendredi. Ça romprait la monotonie. Qu'appelez-vous léger? 2 jours, 4 heures et 32 minutes. Et ça va modifier notre horaire. Ne vous occupez pas de ça, Tom. Nous ferons les rectifications nécessaires, mais votre déjeuner sur Mars attendra. Comme vous voudrez. Où faut-il aller? La ceinture d'astéroïdes. On va faire. Il y a une comète qui va bientôt la traverser. Mais ça n'est pas nouveau. Je sais, mais pour une fois, ça l'est. Nous pensons qu'elle a été arrachée à son orbite par la force d'attraction de Jupiter. Quelle dimension, cette comète? Elle fait 480 km de diamètre. Son noyau doit être assez gros pour provoquer de sérieux dégâts en cas de collision. Elle se dirige en droite ligne sur Orphée. C'est le plus gros astéroïde. Et où voulez-vous qu'on se poste? Eh bien, postez-vous devant la planète Vesta, à environ 25 000 km. Vous devrez être sur place 3 h 5 min avant la comète. Nous avons besoin de toutes les informations que vous obtiendrez sur sa taille, son orbite et ses particules. Quelques photos, j'imagine? Oui, beaucoup de photos. Nous avons déjà entamé la procédure au sol et vous changerez de cap dans 5 minutes environ. Est-ce que mon père est avec vous? Il est là. Dites-lui bonjour. C'est fait. Cela s'est donc passé vendredi dernier à 7 h. Hier, à 11 h du matin, Challenger 2 est sur place. Il arrête ses moteurs et se poste devant Vesta. Vous y êtes? Oui, on est dessus. Vous pouvez faire un zoom sur Orphée. Bien sûr. Magnifique. Allez-y, faites toutes vos observations. Des relevés pour commencer. Pendant les 90 minutes suivantes, ils observeront la ceinture d'astéroïdes. Enfin, l'objet que nous attendions fit son apparition. Vous m'entendez? Donnez-moi rapidement votre ascension paramétrique. Il va passer à travers comme dans du beurre. Elle va percuter! Attention, ne restez pas là. Orphée s'est brisé en millions de particules. Thank you.
Je crois que je ne me le pardonnerai jamais. J'aurais dû prévoir... Il n'y a rien à regretter. Nous aurions tous pris la même décision. Qui est au courant à part nous? Personne pour le moment. Mais il faudra publier un communiqué après cette réunion. Pourquoi suis-je ici? Il y a un fragment d'Orphée qui se dirige vers nous et ce n'est pas un petit caillou. Il est précédé et suivi d'une quantité de débris plus ou moins volumineux. Mais c'est le gros fragment qui nous inquiète. On n'a pas encore établi toutes les données, mais dans 6 jours au plus tard, il pourrait nous percuter. Il faut nous préparer à... C'est justement pour ça que nous avons placé Hercule dans l'espace. Tu veux bien me laisser finir. J'ai organisé une conférence au QG de la NASA à Washington demain matin. Lucas, Stenberg, Philbor, d'autres que tu connais seront présents. Je veux que tu viennes à cette conférence. J'irai à ta conférence. Je suis très touché, Paul, merci. J'ai fait retarder un vol commercial, tu pars dans 1 heure. Une nouvelle documentation sur Hercule pour passer le temps en avion. Une voiture t'attendra à l'aéroport et ton hôtel est retenu. Gladys te donnera ce qu'il faut pour les frais. Colle-moi aussi un balai dans le cul, je te brosserai les tapis en sortant. T'as pas changé, hein, Paul. Samuel, à son grand désespoir, s'est laissé remorquer jusqu'au port. Parmi les 9 qui n'étaient pas à l'arrivée, signalons le Maverick du Dr. Peterson, disqualifié pour avoir franchi la ligne avant le départ, et le Mary B. de John Slaven, qui entra en collision avec le Swan d'Arnold Parker. Les 2 bateaux furent obligés d'abandonner, mais la grande surprise de la journée, le Bud Spirit de Paul Bradley, qui se retira dès le début de la course, sans raison apparente. John Dunning et Bruce Cumming se livrèrent une lutte acharnée. Allô? Je sais qu'il est tard, mais je voulais simplement... Paul, où es-tu? Tu n'es pas sur ton bateau? Je suis à Washington. Les enfants, ça va? Oh, j'ai mis à la rougeole et Julie va l'attraper, j'en suis sûre. Et puis c'est toujours la bagarre pour les devoirs, mais à part ça, ils vont bien. Qu'est-ce que tu fais à Washington? Je ne sais pas encore. Je t'appelais pour te dire où je suis et prendre des nouvelles. Comment vas-tu? Ça peut aller, quoi. Paul? Embrasse les enfants. Projet Hercule. Voyons ce qu'il y a de nouveau. Il y a un fragment d'Orphée qui se dirige vers nous et ce n'est pas un petit caillou. Il est précédé et suivi d'une quantité de débris plus ou moins volumineux, mais c'est le gros fragment qui nous inquiète. On n'a pas encore établi toutes les données, mais dans 6 jours au plus tard, il pourrait nous percuter. Mystère autour de la sonde désintégrée.
vient l'erreur. Désolé, je suis en retard. Vous êtes tous en retard. Paul, laisse-moi t'expliquer. Ou bien on s'est trompé de pièce, ou alors il y a de la matière grise qui se gaspille à Washington. À part nous, il n'y aura personne. Lucas, Fillmore, Steinberg? Je ne les ai pas invités. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est toi. Toi qui as conçu le satellite Hercule. Oui, je sais très bien ce que tu ressens, Paul, mais réveiller les vieilles querelles... Non, je n'ai nullement besoin de les réveiller. Je les ai encore en travers de la gorge. Écoute, ce n'est pas moi qui ai décidé de changer Hercule en... De changer Hercule en un quoi? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, Harry? Mais écoutez à la fin. Cet engin n'a jamais été conçu pour être une arme nucléaire portant 14 missiles pointés sur les Russes. Pas seulement sur la Russie. Ou la Chine, ou n'importe où ailleurs. Ces fusées devaient pointer vers l'espace, pas la Terre. Et cela pour nous protéger du genre de saloperie qui menace en ce moment la planète. Mais tu oublies que je les ai engueulés à l'époque. Oh oui. Que je t'ai défendu quand tu as démissionné. Oui. Bon, alors écoute-moi. Ferme ta gueule et écoute-moi. Ce météore a 8 km de diamètre et nous sommes sûrs qu'il va nous percuter. C'est confirmé. Il fera un trou qui pourra recevoir l'océan Atlantique si nous ne l'arrêtons pas. Merde. 8 km? Alors va-t'en si tu veux. Mais que pense le général Adlon? C'est toujours lui qui dirige Hercule. Adlon est compétent, mais c'est un technicien. Il n'a pas l'imagination, tu le sais bien. Nous devons l'écarter par tous les moyens. C'est le problème numéro un. Problème numéro deux. Il y a près de 100 fonctionnaires en ville assez stupides pour refuser d'utiliser Hercule par crainte des retombées politiques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux tout de même pas les tuer. Aide-moi à les court-circuiter. D'accord, espèce de salopard. Je marche, mais il faudra jouer franc jeu. Ne conçois pas autrement, tu as ma parole. Paul, on a 5 jours pour réaligner Hercule, sinon c'est un véritable désastre. Если бюджет страны мог бы позволить, нам следовало бы связаться по телефону с НАСА. Не при каких обстоятельствах? Нельзя устанавливать контакт с Соединенными Штатами, пока возможные последствия не будут обсуждены с председателем. J'espère que personne n'a eu l'idée saugrenue de prendre contact avec les Russes à ce sujet. Il serait de la plus grave inconséquence de les dévoiler. Personne n'aurait songé à le faire sans votre accord, monsieur le ministre. Il ne fait pourtant aucun doute que leurs observatoires ont détecté le météore. Ce qu'ils ignorent encore, ce sont nos possibilités d'action. À quoi sert-il d'en discuter? Parce qu'il ne s'agit, je l'espère, que de discussions. Général Adlon, soyez assuré qu'aucune solution n'a encore été envisagée. Nous sommes justement ici pour en débattre et arrêter un plan d'action. Vous êtes à la tête du projet Hercule. Et si à la suite de nos débats, l'usage des fusées se trouvait... Il n'y a que ces fusées et rien d'autre. La seule arme que nous avons, c'est Hercule. Soyons raisonnables. L'existence d'Hercule n'a pas à être divulguée. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Je dis que ce serait catastrophique. Nous n'avons jamais admis son existence. Et si nous le faisons maintenant, les conséquences... Vous croyez que le monde va ignorer longtemps la présence d'un météore? Dès qu'on saura que ce gigantesque bolide doit s'écraser sur nous à la vitesse de 50 000 km/h, les populations seront en droit de savoir si elles sont protégées. Et vous allez annoncer au monde que nous avons des têtes nucléaires en orbite dans l'espace, en contradiction flagrante avec tous les accords internationaux que nous avons signés. Autrement dit, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on soit traité de charlatan. Si nous ne faisons rien, nous serons par la majorité de nations. Mais quelle est votre solution? Réduire le météore en appelant les pompiers avec la grande échelle? Il y a certainement des moyens. Messieurs, je vous en prie. Monsieur Bradley, voulez-vous nous dire quels effets produirait la chute de ce météore? Une masse de rochers
de 1000 mètres de large, percutant le sol à 50 000 km à l'heure, formant un cratère large de 80 km et profond de 8 000 mètres. Le météore est 8 fois plus large. Sa force d'impact équivaut ou à l'explosion de 2,5 millions de mégatonnes de TNT, ou à une secousse de 10 degrés supérieure au plus important séisme jamais enregistré. Le météore enverrait dans l'atmosphère 5 milliards de tonnes de terre, réduisant les rayonnements solaires pendant des décennies dans de telles proportions que nous risquons de revenir à l'ère glaciaire. Et si le météore nous évitait? On peut très bien l'envisager. Les données scientifiques que nous possédons... Vous vous êtes trompé il n'y a pas bien longtemps, et même gravement, en modifiant l'itinéraire de Challenger 2. Je ne tolère pas ce genre d'insinuation. Calme, messieurs, je vous en prie, un peu de tenue. Je vous rappelle à l'ordre. Mais c'est absolument inadmissible. Silence, messieurs. Monsieur Bradley, où allez-vous? J'ai besoin d'air. Je me fous éperdument de ce que pensent les Russes des Américains et vice-versa. Je vous ai dit ce qui arriverait si le météore percutait la Terre. Mais si vous croyez pouvoir l'empêcher en vous cachant la vérité derrière un tissu de conneries, alors merde. Si vous parvenez à prendre une décision, je serai au bar en face. Je vous appellerai. Je dois en discuter avec la Maison Blanche. C'est urgent. Parce que nous avons très peu de temps. Nous vous présentons maintenant le document diffusé par la BBC dans les premières heures de la matinée. Les membres du cabinet réunis ce matin ont discuté l'annonce faite par l'observatoire de Jodrell Bank. Un fragment d'astéroïde détourné de son orbite par une comète se trouve sur une trajectoire de collision avec la Terre. Si ça se confirmait, il semblerait que dans moins d'une semaine, cet énorme rocher pourrait percuter notre planète avec des conséquences catastrophiques. Nous tenons de sources sûres que le Premier ministre est en contact étroit avec le président des États-Unis et qu'il a offert toute l'aide dont le gouvernement britannique dispose en la matière. Cela dit, nous trouvons déplorable que le peuple américain doive compter sur la BBC pour l'informer sur des faits que nous devons être les premiers à connaître. Moi, je trouve déplorable de ne rien avoir à voir. Monsieur? Un scotch. Un double, s'il te plaît. Deux doubles. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Téléphone au président. Si jamais il dit non. Il y a environ 2 ans, mon fils Andy a commencé à se plaindre de violents maux d'estomac. Avec les cochonneries que les gosses avalent, c'est pas tellement étonnant. Et le petit se plaignait. On a discuté avec Myriam et on a décidé de l'emmener chez le docteur. Pour avoir une opinion autorisée. Appendicite, dit le docteur. Myriam dit, attendons, ça passera peut-être d'ici demain. Tu connais ma Myriam. Elle est terrifiée à l'idée d'une opération. Ce soir-là, elle s'est endormie. En pleurant de désespoir. Je me suis habillé, j'ai pris le petit et je l'ai emmené à l'hôpital. 6 heures plus tard, son appendice était enlevé et il se tapait un cornet de glace. Et même Myriam riait de bonheur. Tu comprends maintenant? Oui. Mais comment feras-tu pour que subrepticement j'aille mettre à feu une douzaine de fusées nucléaires sans que Myriam le sache? Je m'arrangerai. J'ai beau chercher, il n'y a pas d'autre moyen. Y a-t-il un monsieur Sherwood ici? Oui, c'est moi. Je vous demande au téléphone, vous pouvez le prendre derrière vous. Non, monsieur le ministre, je préfère vous demander de rester en ligne encore un petit instant. Oui, monsieur Bradley est en train de vérifier certains éléments. Mais oui, monsieur, je crois que c'est urgent. Non, monsieur. Paul. Une minute. Dans une petite minute. Bon, alors, qu'est-ce que je lui dis? Il a le cœur solide. C'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Hercule est trop léger. Monsieur le ministre, c'est confirmé. Alors, vous êtes en train de me dire que même en levant le secret sur Hercule, même si je vous autorise à réaligner les fusées, leur nombre restera insuffisant. Il faut encore des mégatonnes, encore des fusées. Exactement, monsieur le président.
Monsieur le secrétaire à la Défense, avons-nous d'autres fusées? Pas dans l'espace. Eh bien, qu'est-ce que vous espérez? Qu'elles vont surgir par miracle? Monsieur le Président, pourriez-vous confirmer ce que je vais vous dire? Les Soviétiques auraient un équivalent de notre satellite Hercule dans l'espace. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est vrai. Monsieur le Président, il faudrait combiner la puissance de leurs fusées et des nôtres. Ils n'admettront jamais qu'ils les possèdent. Il faut leur faire admettre. Et comment? Général Adlon, pour le moment et jusqu'à ce que ce danger soit écarté, je place le professeur Bradley à la tête de l'opération Hercule. Je compte sur vous pour lui fournir toute l'aide nécessaire. Monsieur le Président, le service public représente en ce qui me concerne... Je n'en attends pas moins de vous. Écoutez, voilà, je crois avoir une solution au problème. Pouvez-vous me dire où vous serez ce soir? Nous partons dans une heure pour New York. Vous écouterez mon allocution télévisée à 20h. Messieurs, je vous remercie. Ce sera tout. Vous vous demandez quelles mesures nous avons prises pour nous assurer que ce météore ne menace à aucun moment notre planète. Je suis heureux de vous dire qu'ayant pris en compte qu'un cataclysme de ce genre risquait de se produire, votre gouvernement, en collaboration avec les plus grands savants spécialisés en la matière, a mis au point un plan d'action, plan destiné à faire face à cette menace. Et ce vaste plan d'action s'appelle Opération Hercule. Qu'est-ce donc Hercule? Hercule est un satellite armé en orbite autour de la Terre, possédant à son bord des fusées atomiques pointées vers l'espace. Bonne définition, mauvaise direction. Que peut faire le satellite Hercule? En appuyant sur un bouton, je suis en mesure de déclencher une puissance de feu capable de détruire tout corps étranger menaçant de percuter notre planète. Mais dans cette circonstance, il semble que certaines complications interviennent. Le météore est d'une taille et d'une vélocité telle que même ce puissant armement ne réussirait pas à le pulvériser. Mais par bonheur, l'Union soviétique, faisant preuve d'une prévoyance égale à la nôtre, a mis en orbite son propre satellite de défense. Nous ignorons le nom que les soviétiques ont donné à leur arme, mais nous savons qu'elle existe. Nous allons leur demander de joindre leur puissance nucléaire à la nôtre afin que nos forces conjuguées soient capables de neutraliser le météore en lui opposant une irrésistible puissance de feu, éliminant ainsi à jamais la menace qu'il fait peser sur nous tous. Je vais personnellement prendre contact avec les Soviétiques. Je le ferai aussitôt après la fin de cette émission. Et c'est parti. Bonsoir. Et que Dieu nous protège. Американцы выбрали себе в президенты алхимика. Он прекрасно умеет превращать лицемерие в дипломатию. Этот алхимик будет нам сейчас звонить. Я полагаю, что нужно дать ему возможность начать переговоры, в которых вы, товарищ Дубов, будете принимать самое близкое участие. Но нужно помнить, что это будут только обсуждения. Волга вот-вот выйдет из берегов, а мы все обсуждаем способы плавания. Алло? Mercredi. C'est passé pour le professeur Bradley? Oui, bonjour, monsieur. Le général Adlon est arrivé? Et il y a une demi-heure. Bien. À quel sous-sol? C'est une ancienne station de métro. Une ligne qui passe sous le fleuve. C'était plus facile pour amener tout le matériel. Personne n'a rien vu et ça n'a pas coûté cher.
Il fallait être plus raisonnable et aller au Texas. Nous avons accès à une installation de télécommunication totale, rien qu'en prenant l'ascenseur. Aucune personne censée ne penserait qu'on ait placé le plus important au centre de contrôle d'une force de frappe sous la ville la plus embouteillée du monde. Le professeur Bradley. Vous le laissez passer, s'il vous plaît. Voulez-vous le signer, monsieur? Merci. Général Adlan, bravo, c'est magnifique. Je vous remercie. J'ai un message pour vous. Normalement, nous avons un effectif de 25, mais comme il y a péril dans la demeure, j'ai doublé d'équipe. Oh, les Russes vont débarquer grâce au ciel. Je tiens à préciser que je considère l'intrusion des Russes dans ce centre comme une imprudence grave. Elle constitue une maladresse que nous risquons de payer extrêmement cher. Présentez-moi au personnel. Avec joie. Général, est-ce que je peux utiliser votre bureau à moi? Certainement. Par ici. Voici notre chef technicien, Rolf Mannheim. Ah, professeur Bradley. Vous devez connaître un de mes neveux qui suit vos cours à l'Institut de technologie du Massachusetts. Ben Mannheim? Oui. Un garçon brillant. Ah, merci. Bientôt, c'est moi qui suivrai ses cours. Ah. Voici la responsable des analyses de trajectoire, John Watkins. Bonjour. Vous travaillez avec un 1180? Non, un 360, dont on a remodelé la mémoire. Ah, très bien. Je vous poserai ainsi qu'à votre ordinateur une foule de questions. Vous aurez des réponses rapides et précises. Et trois fois vérifiées. Mon assistant, Alan Marshall. Monsieur Bradley, désolé de vous interrompre, John. Sir Michael Hughes de l'observatoire de Jodrell Bank au récepteur de contrôle. Il veut vous parler. Excusez-moi. Envoyez remplacement. Bill Hunter, responsable poursuite. Avec qui êtes-vous en contact, à part l'Angleterre? Hong Kong, les Philippines et l'Australie. Bonjour, Michael. Ici, c'est bonsoir, Paul. Je ne pensais pas vous revoir avant Wimbledon, en supposant qu'il y ait un Wimbledon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous aurons les premiers fragments du météore dans moins de 24 heures. Je doute que nous puissions les suivre, à moins qu'ils ne soient groupés, mais on fera pour le mieux. Il n'y a rien d'autre? Rien pour le moment. Je voulais simplement prendre contact avec vous. Appelez-moi à tout instant s'il le faut. À bientôt. Paul, l'astrophysicien soviétique, tu sais ton homologue? Le professeur Dubov? Il arrivera à 7h30 ce soir, à Washington. Je suis enchanté de vous recevoir. Docteur Dubov, они очень рады вас видеть здесь. Спасибо. Merci. Я полагаю, что это точная модель вашего спутника. Его ориентация. Il présume que ceci est l'exacte reproduction du satellite et de son alignement. Или может быть такое направление ракет? Простая случайность. À moins que la direction de la fusée soit une erreur dans les calculs. Je ne fournirai pas ce renseignement stratégique de mon plein gré. Aaron? Пожалуйста. Спасибо. Он готов сам выдать такую стратегическую информацию. C'est ce que je viens de dire? Oui. Какую несет ударную силу? Je vous en prie. Merci. Quelle est la force de frappe de ce satellite? J'aimerais mieux laisser à Monsieur Bradley le soin de vous le dire. Он хочет, чтобы профессор Брэдли ответил. Bonjour.
14 fusées portant chacune une bombe de 100 mégatonnes. Bienvenue à New York, docteur Dubov. Très heureux de vous voir. Il faut tout avoir en double exemplaire. Mais c'est la procédure réglementaire. Sinon, qui nous dit que nos paroles sont bien interprétées? Je crois qu'avant tout, nous devrions nous faire confiance. Sinon, on n'en sortira pas. Si c'est uniquement un choix à faire, je choisis la plus jolie. La plus jolie, c'est Tatiana Nikolaevna Donskaya, si l'accent est correct. Très correct. Astrophysicienne et interprète de Monsieur Dubov. Enchantée, monsieur. Enchantée, madame. Et l'interprète du général Adlon est le capitaine Fallen. Très bien, capitaine. Étant donné que notre présence ici s'avère inutile, veuillez nous excuser. Monsieur Sherwood, vous venez avec moi un instant? Je vais faire de mon mieux pour le calmer. Il sent que le général Adlon n'est pas content de le voir. Général, je sais que c'est très difficile pour vous, mais je me suis régré de... Je viens de m'entretenir avec le secrétaire à la Défense qui semble plus conscient que vous de la complexité de cette situation. Mais le secrétaire Il a donné un ordre impératif. L'alignement de nos fusées ne sera modifié que si les Soviétiques admettent l'existence des leurs et s'ils consentent aussi à leur réalignement. Est-ce que c'est clair? Écoutez, faites donc tirer une centaine de copies de ce papier. Mettez distribué à 100 fonctionnaires de Washington. Organisez 100 conférences pour en discuter à satiété et pendant ce temps, le météore nous aura écrasés. Comme ça, nous n'aurons plus jamais de problème. Я не собираюсь критиковать, но вам не легко будет поразить метеор со своими головками, направленными на Советский Союз. Il ne cherche pas à vous critiquer, mais il ne vous sera pas très facile d'atteindre le météore avec des fusées pointées sur le territoire de l'URSS. Notre satellite, c'est Hercule. Quel est le nom du vôtre? Они называют свой спутник Геркулесом. А как называется ваш? Как можно называть то, чего нет? On ne donne pas de nom à une chose qui n'a pas d'existence. Alors, qui diable a placé ça, Pierre le Grand, avec ses fusées pointées sur les États-Unis? Тогда кто же назвал его Петром Великим? Его боеголовки нацелены на Америку. Возможно, китайцы. Les Chinois, probablement. Docteur Dubov, nous avons un petit problème. У них проблема. Si Pierre le Grand n'existe pas, nous n'avons rien à faire ensemble. Если Петра Великого нету, делать нечего. Mais au cas où il existerait, а если бы он существовал, il faudrait savoir quel armement il porte. Им нужно знать, какое на нем был бы оружие, sa position dans l'espace, где бы оно находилось, et quelle fréquence il nous faudrait utiliser pour l'aligner sur notre Hercule. И на каких частотах они могли бы скоординировать его с Геркулесом. Voyons cela sur un plan purement dialectique. Но только для обсуждения. Я понимаю важность ваших вопросов. Il a conscience de l'importance de vos questions. Если бы я участвовал в создании такого незаконного оружия, s'il devait participer à la construction de cet armement illégal, разумеется, я мог бы на них теоретически ответить. Il serait alors en mesure de vous donner des réponses à ces questions. Dans ce cas, seriez-vous disposé, en théorie, naturellement, тогда готовы ли вы, разумеется, теоретически, à procéder à l'étude avec moi d'une action combinée de nos satellites, чтобы доработать с ними детали согласования действия спутников? Теоретически? Да, я готов. Oui, il serait disposé. Avant de commencer, прежде всего, quelle est la puissance de feu que vous auriez prévue? Какие бы вы запроектировали ударные силы? 16 ракет. Тоже по 100 мегатон на каждую, как и у вас. 16 fusées, chacune avec une puissance nucléaire équivalente à la vôtre. Ce qui fait 3000 mégatonnes. Значит, больше миллиарда. En théorie. Théoritически. Vendredi.
Аня, иди сюда! Аня, иди сюда! Secousse d'envergure tellurique s'est produite quelque part en Sibérie. Je pense que nous sommes tous ici au courant de ce phénomène. Mais je demande aux délégués de l'Union soviétique de bien vouloir nous donner une explication. Monsieur le Président, nous sollicitons une suspension de séance afin d'entrer en consultation avec notre gouvernement. Les données en provenance de Jodrell Bank ont été traitées et enregistrées. Elles sont disponibles au fichier central des données. Au prochain top, il sera 23h. Nous procédons au test télémétrique numéro 36. Bonjour. Tu as réussi à dormir cette nuit? Oh, deux petites heures. T'as dormi, toi? J'ai perdu 10 dollars au gin rami. Comment est la nana russe? Très jolie, très compétente, et tu perds ton temps. Tu m'as manqué. Nous arrivons à H plus 6 minutes sur le test de contrôle d'assiette AC21. Tous les écrans de 340. Avec nos compliments. J'ai demandé qu'on défasse votre lit pour y mettre une paire de draps et... Merci, c'est très gentil. Je vous ai aussi procuré un bon savon, parce qu'avec ce qu'on nous donne ici, on croirait se laver avec un caillou. Merci. Vous avez un très joli foulard. Merci. Jim Jackson est demandé au service central de sécurité. Я так устал, а спать не могу. Le décalage horaire l'a perturbé. Et vous, comment ça va? Ça va très bien, merci. Les responsables des projets de pouvoir examineront les problèmes d'énergie de la commande d'assiette demain à 8h dans la salle de conférence. Nous procédons à la lecture des formes enregistrées sur leur ordinateur AX. Faut-il le réveiller? Non, non, vous laissez-le dormir. Servez-vous du café. Les ordres enregistrés pour la direction de la police d'assiette sont programmés sur elle. Vous travaillez avec lui depuis longtemps? Oh, je le connais depuis 10 ans. Mais on travaille depuis 5 ans ensemble. Pourquoi avez-vous choisi l'astrophysique? C'est elle qui m'a choisi. Comment cela? J'étais employée comme standardiste au centre du contrôle de vol dans un cosmodrome près de Knur, en Asie centrale. Je connais votre langue parce que, dès mon plus jeune âge, ma mère a voulu que je me perfectionne dans les langues. Elle me disait que connaître les langues peut servir un jour. Elle avait raison, bien sûr. Vous voulez un sandwich? Merci, non. Et ensuite? Eh bien, ensuite, il y a 10 ans environ, un groupe de savants occidentaux sont venus en séminaire avec leur homologue soviétique. Alexei Alexeïevitch, notre belle au bois dormant, cherchait une personne pour servir d'interprète et j'ai été engagée. Et sans difficulté? Et après la conférence, il m'a demandé de devenir son interprète officiel et son assistante. Il était marié à Olga Alexeïevna, sa première femme. Combien il en a eu? 4 jusqu'ici. Il dort seul en ce moment, mais ça ne lui arrive pas souvent. Vous savez, j'aime bien parler avec vous. Merci. Mais vous remarquerez que nous parlons depuis hier. Non, non, j'ai parlé avec vous, Dobov. J'aime beaucoup parler avec vous, vous. Je vous trouve charmante. Merci encore. Alors? Quoi? L'astrophysique. Oh. Eh bien, j'ai pris conscience de la magie, des choses de l'espace. Alexei Alexeïevitch m'a aidé et encouragé dans cette voie. Grâce à lui, j'ai pu entrer à l'université. Lorsque j'en suis ressortie, j'étais une astrophysicienne. Et puis, je me suis mariée. Vous êtes mariée? C'était un cosmonaute,
Notre mariage a duré 3 ans. Ensuite, il est parti en mission d'exploration et il n'est pas revenu. Vous êtes seule en ce moment? Non, mais ça ne compte pas. Pas vraiment. Monsieur Bradley, Sir Michael nous appelle sur le récepteur de Jodrell Bank. Des météorites arrivent sur l'Europe centrale. Ah, Paul, l'observatoire de Frascati nous communique. Un groupe de météorites a été observé venant sur l'Italie à la verticale de Pise. Vitesse d'approche 15 000 mètres à la seconde. Frascati annonce que pas un n'a touché le sol. Les Italiens ont simplement assisté à un gigantesque feu d'artifice. Merci, Michael. C'est la meilleure nouvelle jusqu'ici. J'espère que ça va continuer. Bradley, j'imagine que l'alerte touche peut-être à sa fin. Du moins celle qui était sur votre programme de catastrophe. Il est dommage qu'on ait plongé le monde dans une telle terreur pour rien. Voilà donc votre prétendue menace. Un feu d'artifice. Veux-tu dire à ce connard, une fois pour toutes, que le météore ne brûlera pas, étant donné sa masse? Permettez, Général, nous ici, on travaille. Nous vous serions reconnaissants de nous faire grâce de vos réflexions une fois pour toutes. Pas une de vos prévisions apocalyptiques ne s'est vérifiée. Et je suis convaincu que pas une seule ne sera vérifiée. Le jour où le bon sens aura repris ses droits, lorsque le président me rendra la direction de ce centre dans les fonctions qui sont les miennes, et cela ne saurait tarder. Je reviendrai. То каких-то пор все это будет так продолжаться? Да что это такое, черт возьми? Я позвоню им в посольство и скажу им пару слов. Идиоты, дураки, идиоты! Je voudrais téléphoner à notre ambassade à Washington. L'Union soviétique se rend parfaitement compte de la gravité de la situation. En conséquence, nous avons décidé d'ajouter à la puissance du satellite Hercule la formidable puissance de feu que nous-mêmes possédons. Un satellite mis au point bien avant celui que les États-Unis ont fabriqué, mais que nous avons étudié et réalisé avec pour objectif la défense contre un cataclysme éventuel comme celui qui plane aujourd'hui sur nous, avec cet objectif uniquement. L'Union soviétique soutiendra toujours les initiatives d'où qu'elles viennent, qui tendraient à promouvoir la sécurité et le bien-être de l'humanité. À Pierre le Grand. Et au palais russe qui a balayé la paperasserie. Zapitra Velikova. Palais russe. Я хочу сказать пару слов без переводчика. Я это слышал от таксиста. Le docteur Dubov voudrait dire une phrase qu'il a entendue prononcer par un chauffeur de taxi la dernière fois qu'il est venu chez vous. Et merde pour les Dodgers! Thank you.
Correction d'assiette terminée. Situation nominale. Orientation закончена. Положение нормальное. À New York, ici Goldstone. Nous avons une panne de réalignement. Je répète, panne de réalignement. Veuillez noter. Défaillance possible du réglage. Le relais de déverrouillage de la fusée 3 pourrait être bloqué. Il faudra réenclencher, répéter la télécommande et rectifier le guidage pour mise à feu retardée. Ok. Recalculons le programme d'inspection. Tous les autres programmes primaires et de secours sur SQ sont partis. Correction d'assiette terminée. Situation nominale. Il n'y a plus qu'à attendre de l'avoir dans le collimateur. Oui, dimanche à 7 heures. Samedi. Thank you.
fait 8 heures que les fragments se sont abattus sur les Alpes suisses. Mais ce n'est que maintenant que l'on se rend compte de l'étendue du désastre. C'est la plus grande catastrophe de l'histoire. Il y a eu des avalanches et des tempêtes qui ont détruit des villages entiers. Mais jamais à l'échelle de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Les secours affluent de tous les pays. Ambulances, hélicoptères, matériel de sauvetage. Les morts sont rapidement transportés dans les églises et les mairies voisines. Les autres victimes dirigées vers les hôpitaux pour réanimation et soins d'urgence. Il y a tellement de vacanciers en cette période de l'année, dont un très grand nombre ne sont inscrits nulle part, qu'il est souvent impossible d'identifier les cadavres. Nous demandons instamment à tous ceux qui ont des raisons de croire que des parents ou des amis se sont trouvés dans cette région ces dernières semaines, de se mettre immédiatement en rapport avec le comité de secours suisse installé dans Bahnhofstrasse à Zurich. La tragédie prend une nouvelle dimension avec la disparition des 12 000 concurrents du marathon de ski de fond parti de Miloja une heure avant l'impact de la météorite. L'équipe d'opérateurs qui a tourné ce film a quitté les lieux en hélicoptère 5 minutes avant le désastre. Partout dans le monde, la même question se pose. Où tombera la prochaine? Et où en est le gros météore attendu ce dimanche et qui fonce sur la Terre à 15 000 mètres seconde? Le président des États-Unis d'Amérique nous a assuré que des hommes compétents veillent sur notre sécurité. Acceptons-en l'augure. Ici Osman Raghem à Zurich. Je rends l'antenne au studio ABC de New York. Mon Dieu. Monsieur Sherwood, voulez-vous, en deux mots, faire le point de la situation? Les satellites sont en orbite autour de la Terre à une altitude de 33 800 km. Ils sont sur deux orbites séparées et si l'on veut frapper le météore de concert, la mise à feu des fusées doit se faire séparément. D'abord celle de Pierre le Grand et 40 minutes plus tard celle de notre Hercule. Il faudra environ 2 heures avant que les charges explosent. Quelques secondes avant de toucher le météore. Est-ce qu'il y a un risque d'erreur? Eh bien, à partir du moment où les fusées sont lancées, elles ne visent plus qu'à leur code interne de télécommande et d'approche. Il suffit que ces systèmes fonctionnent parfaitement, alors là, aucun problème. Mais s'il y a une défaillance... Quel pourcentage de risque? Monsieur le Président, cette opération est une première. Les risques? Vous en savez autant que moi. Et s'il y avait défaillance? 120 minutes plus tard, le météore est sur nous. Détruisez-le, monsieur Sherwood. Détruisez-le. Dimanche. Je l'ai lavé et repassé. Je serai contente que vous l'acceptiez, Jeanne. Il y a du nouveau? Oh non, rien.
Rien, je voulais savoir si vous avez pris le temps de manger. Oh, oui, j'ai pris un café. Ça vous énerve, ça ne nourrit pas. Vous avez besoin de choses plus solides. Vous avez parfaitement raison. Allons déjeuner. Joli votre foulard. Merci. Et combien d'enfants vous avez? Deux. Un garçon et une fille. Qui vous a dit que j'étais mariée? J'ai interrogé M. Sherwood. Il a dit aussi que votre femme et vous étiez séparés. Je dirais deux mots à M. Sherwood. Oh, ça ne vous ennuie pas que je lui ai posé non, ces questions? Non, pas du tout. J'aurais interrogé M. Dubois à votre sujet. Malheureusement, mon russe est quelque peu limité. Vous voulez du café? Non, merci. Que voulez-vous savoir d'autre? Oh, je ne veux pas paraître indiscrète. Demandez toujours. Pour quelle raison vous vous êtes séparés? Aucune en particulier. C'est arrivé comme ça. On n'avait rien à se dire. On vivait à côté l'un de l'autre. Dans ce pays, nous appelons ça l'incompatibilité. On l'appelle comme ça aussi chez nous. Nesobvestimost. Oui, ça doit être à peu près ça. Avez-vous songé à aller vivre ailleurs? Non. Rarement. Mais vous y pensez? Eh bien... Vous seriez heureuse ici. On a tout ce qu'il faut. Coupure de courant, grève, chômage, émeute raciale, criminalité galopante. Monsieur Bradley, Yamashiro vous appelle de Hong Kong. Il signale la météorite. Oui, Klein? Nous venons de recevoir un appel d'un avion de la TWA volant au-dessus du Pacifique. Ils ont observé une explosion en mer assez forte pour endommager deux de leurs moteurs. L'appareil va faire un atterrissage forcé à Formose. Ils ont aperçu aussi une lame de fond de 30 mètres déferlant en direction de Hong Kong. Le radar vient d'établir la hauteur stabilisée de la lame à plus de 30 mètres. Vitesse constante de 900 km à l'heure. Plus que 20 minutes pour qu'elle nous engloutisse. C'est trop tard. Détruisez le météore, Paul. Détruisez-le. Jacob
Dans exactement 15 minutes, les fusées russes seront mises à feu. 40 minutes plus tard, nos propres fusées iront les rejoindre. Elles frapperont le météore pour le faire dévier de sa trajectoire afin qu'il ne puisse jamais plus menacer la Terre. En ce jour du Seigneur, vous resterez dans vos maisons. Ayez confiance. Tout ce qui était à faire a été très bien fait. Un communiqué sera diffusé quand le danger sera passé. Structure de lancement engagée. Prêt au lancement. Ok, attendons top dégagement. Dégagement effectué. Check-up fusée, Pierre Legrand, positif. Vous voulez suivre sur le voyant rouge. Ok. Compte à rebours, 30 secondes. 30 secondes. Ok, merci, 0, 1, 2, 3. 25 secondes. 0, 6, 1, 4. Ok, merci. 20 secondes. 15 secondes. Dégagement effectué sur les 4 premières fusées. 12 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3. Mise à feu. Décollage. Sur des roulettes. Все в порядке. Мы уже в пути. Слава Богу, мы уже в пути. Madame Donskaya. Veuillez avoir l'obligeance de transmettre mes sincères félicitations au docteur Dubov. Генерал Адлон вас поздравляет. Mes excuses, Bradley. Je reconnais mon erreur. Et si je peux vous être utile, croyez-moi, je... Merci. Si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Oui, Sir Michael. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Passez-moi Monsieur Bradley. Oui, monsieur. Monsieur Bradley, Sir Michael voudrait vous parler. Nous venons de capter un autre météorite. Une masse énorme. Direction? La côte est des États-Unis. Votre littoral est menacé. New York? Oui, c'est inévitable. C'est pour quand? Pratiquement tout de suite. Peut-on avancer, Hercule? Non, impossible. Tenez-vous prêt. Nous approchons de H-30 secondes. Attention. Compte à rebours, 30 secondes. On attend. Si nous sommes mis hors de service sans avoir lancé nos fusées, l'impact des fusées russes sera inopérant. On attend. Dégagement effectué. Quel est le délai avant la mise à feu? 55
35 secondes. Merci. Feu extérieur allumé. Donnez-moi un coup de main. Oh,
est par ici. Essayons de détruire cette cuvée. Ça va, Tatiana? Oui, ça va enfin. Je crois. Ничего, пройдет. Attention, ça va prendre feu! Tâchez de trouver la pharmacie de secours. J'ai mal. Va voir. Il faudrait lui faire de la morphine. Posez-le, attention, doucement. Goldstone à base auxiliaire de Houston. La combustion sur tous les moteurs fusées des deux satellites semble nominale. C'est encore Easton. La situation est normale. Les fusées fonctionnent et sont à 66 minutes de l'impact. Nous vous tiendrons informés jusqu'à terminaison. Nous n'avons pas eu le moindre contact avec New York. Avez-vous pu les joindre? Aucune nouvelle du centre. La ville n'est plus qu'un amas de ruines. Bloqué. Monsieur Bradley, je vous en prie, vous voulez venir voir? Écoutez-moi tous, il faut faire quelque chose. La sortie par la cantine est entièrement bloquée. Mais il y a un passage par la salle auxiliaire et il nous faudra des torches électriques. Paul, tu vas prendre la tête. Je m'occupe des traînards. On va se diriger vers le tunnel du métro. Allez, les autres, restez où vous êtes.
Terminal 5. Ordinateur Pierre Legrand signale que les fusées 4 et 7 ont subi une défaillance. Goldstone signale que deux fusées de Pierre Legrand sont hors de course. Quelles sont les conséquences? Nous avons une marge de 5 défaillances. Quand les deux groupes de fusées auront fait leur jonction, ils attaqueront en 3 vagues. Nous sommes à 35 minutes 42 secondes du premier impact. Thank you.
Allez, viens. On est à 14 minutes de l'impact. 14 minutes ? Degrés. Défaillance d'une fusée Hercule. Combien de temps encore ? Impact prévu dans 13 minutes 29 secondes. Когда-нибудь вы приедете в Москву, вы увидите настоящее метро. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, il faudra qu'un jour vous veniez à Moscou pour voir comment on entretient un métro. Dites-moi que je lui rappellerai son invitation. On en est où? Trois minutes. Deux minutes, 22 secondes. Les radars ne signalent plus de défaillance. Espérons que ça continue. État de destruction considérable. Toutes les stations locales de radio et de télévision ont cessé de fonctionner. Ici à la station VADW à New Jersey, nous continuerons à vous informer d'heure en heure. Dans quelques secondes.
Nous interrompons notre reportage sur la catastrophe de New York pour diffuser un communiqué que nous recevons du centre de Houston. Il y a 3 minutes, à 10h30, les charges nucléaires combinées des États-Unis et de l'URSS ont détruit le météore qui, depuis 5 jours, menaçait de s'écraser sur notre planète. Tout danger est maintenant écarté. Silence, c'est vous. Écoutez, écoutez. Avec les compliments de l'équipe des Dodgers. Madara Katkaman des Dodgers. Dodgers. Baseball. À l'Institut de technologie du Massachusetts, un plan de protection contre un météore géant en trajectoire de collision avec la Terre fut mis au point. Ce plan porte le nom de Projet Icare.